crois que je ne peux pas exister sans faire un travail de création. Ça me plaît vraiment. C'est-à-dire que je ne suis heureux à la fin de ma journée que lorsque j'ai réalisé un tableau. Enfin, s'il est réussi, ça me rend très heureux quelque part. Finalement, je vis pour ça. Et je répète cette opération le plus longtemps possible pour exister le plus longtemps possible. Ici, on voit des architectures, plutôt des paysages, un paysage vu par Google, hein, ce moteur de recherche. On voit une ville, on voit sa réalité propre, et en même temps, ça n'existe pas, pour ainsi dire, puisque c'est sur un écran et c'est une chose qu'on ne peut pas toucher, et même pas voir directement. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire de cet outil, de déplacer dans le champ de la peinture, qui est un champ très traditionnel, hein. Je dirais, pourquoi pas, c'est une belle chose aussi, c'est une belle chose de s'en saisir. La première chose qui m'intéresse dans un travail comme celui-là, comme quasiment, enfin dans une grande partie de mon travail, c'est de poser une grille sur le tableau. Regarder une ville par-dessus, comme on l'a regardé un immeuble en face, c'est avoir déjà une grille devant les yeux. Le deuxième, c'est... L'idée de rayonnement m'intéressait parce que je m'intéressais beaucoup à l'idée de la lumière aussi. Pourquoi j'ai utilisé la cire d'abeille? Peut-être un jour j'ai vu Jasper Johns le faire. Enfin, quand j'étais jeune étudiant, je voyais ça. J'aimais bien la résonance picturale de la matière cire mélangée au pigment. Et je trouvais que c'était très intéressant parce qu'on pouvait retravailler la cire. Et ça, ça me plaisait beaucoup. Et la troisième chose peut-être qui me plaisait beaucoup, c'était aussi ça... capacité à être tout de suite sèche. J'avais besoin de vérifier vite, je suis toujours un peu pressé et le fait de trouver une technique qui aille aussi vite que de la poser, pour moi c'est magique comme ça. Peut-être une dernière chose, c'est comme j'étais au Bénin, je dirais au Bénin c'est aussi le lieu du vaudou et le vaudou c'est peut-être la cire aussi et cette magie, je dirais, du matériau cire. Peut-être, c'est une vague idée, je me dis ça comme ça, peut-être j'ai hérité ça du Bénin quand j'étais enfant et ramené ça chez moi, peut-être pour en faire enfin, cette matière magique, en faire des tableaux, peut-être aussi ça. C'est en ce sens où je pense que je suis quelque part un peu africain. La chaleur du fer à repasser, j'avais fait fondre et déforme cette surface, l'attaque, la graisse. Quand il ne s'agit pas, j'ai une sorte de travail fait, parfois de façon un peu plus violente, ou par dripping, ou par... il y a des fois des arrachages de matière, il y a tout un tas d'éléments qui fait que je maltraite, mais on pourrait dire dans le sens inverse, je réchauffe ou je caresse cette matière. Je rentre presque en communion avec. L'imprécision, c'est une chose... qui m'intéresse particulièrement, c'est vrai que les grands peintres, plus ils vieillissent, plus la précision s'échappe. C'est marrant de voir combien ce n'est pas la précision qui, en vieillissant, l'emporte, mais plutôt l'inverse. Et que cette absence, le fait de gommer un peu les signes, permet à l'imaginaire peut-être de rentrer plus facilement dans le tableau.